Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Et tu vois, là, je suis en train de préparer mon petit bol de fruits du matin. Et puis, j'ai toujours ce truc, je sais pas si tu fais ça aussi, genre un pot de compost, tu vois, tous les fruits, tous les trucs organiques, je les mets dans un pot. Puis derrière, on va s'en servir pour le jardin. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à développer. Tu sais, moi, j'ai un passé de développeur. J'ai été développeur pendant 5 ans au total. Et aujourd'hui, je développe un peu moins. Simplement, enfin, tu verras aujourd'hui, je vais te montrer 2-3 trucs que je développe, qui me servent en fait dans mon quotidien de chaque jour. Et puis des fois, qui me servent aussi avec mes clients. C'est moi, je suis plus aujourd'hui webmaster consultant limite, dans le sens où j'accompagne mes clients sur différents axes pour être plus présent en ligne. Mais voilà, je développe toujours un petit peu. Donc, je te montrerai tout ça. Et puis, bah, en attendant, on va se faire un petit déjeuner avec Manu. Manu, est-ce que tu veux passer à la télé? Because I'm recording just about. Bon, alors dans le programme du jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la vidéo du jour. Hier, on a fait le podcast. Avec, je ne sais pas si tu as vu la vidéo hier. On parlait de comment créer du contenu pour attirer des clients. Du coup, je faisais le podcast. Je t'ai montré un petit peu tout ça. Si tu n'as pas vu, n'hésite pas à aller voir. Donc, je dois monter le podcast parce que hier soir, j'ai fait la grosse feignasse. Tu vois, j'étais crevé parce que la veille, je m'étais couché à minuit. Donc, il faut que je fasse le montage. Je dois faire le montage aussi d'une future formation que je vais poser. J'ai des devis à faire. Et voilà, tu vois, tout ça c'est là, et je crois que je suis pas allé voir mes mails encore, mais je crois que j'ai des clients qui m'ont envoyé des demandes, notamment de développement. Du coup, ça tombe bien, aujourd'hui je te montrerai ça. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, attends, on va aller voir, mais je crois bien qu'il y a des travaux encore. Il y a Manu qui est en train de s'occuper d'eux, mais ouais, voilà, tu vois, je vais te montrer, regarde. Il y a des gens qui arrivent, ils vont construire. Enfin, je sais pas, tu sais, on est dans cette maison depuis un mois, la maison avait 6 mois de retard. Mais bon, ça c'est fini. Et là, aujourd'hui, il y a des trucs à revoir, tu vois. Genre, il y a l'eau qui rentre. Oula, on ne voit plus. Et tu sais à quoi on reconnaît un développeur? Un développeur, il reçoit des messages chelous du genre. Question pour le Plesk, mais est-ce que c'est pas l'IPv4 et l'IPv6? Parce que là, je vois, je suis en train de lire, mais après, peut-être que je mélange tout, c'est pas mal de trucs. Ouais, voilà. C'est le genre de message que je reçois, tu vois. Et puis, je te parle pas de mes emails et des trucs comme ça. Alors... pour info, en fait, ça c'est juste, tu sais, je fais du coaching avec des gens qui veulent se lancer en tant que freelance, et du coup c'est un de mes coachés et maintenant ami qui me pose des questions de temps en temps quand il y a des petits soucis techniques ou des petits soucis sur le freelancing de manière générale. Un bon développeur, je crois qu'on m'avait dit ça quand j'étais en BTS, c'est mon prof qui m'avait dit ça. Un bon développeur, c'est un feignant, tu vois. Et pourquoi c'est un feignant? Mais c'est un feignant intelligent. Pourquoi? Bah parce que le développeur, en fait, il va faire des tâches, tu vois, des tâches récurrentes, et il va s'apercevoir à un moment donné qu'il fait souvent la même chose. Et du coup, il va faire quoi? Il va se créer un programme qui va faire le boulot pour lui. Typiquement, là, dans le podcast, bon, il y a un petit peu de montage à faire, il faut que je coupe les trucs, on a des problèmes d'internet, il y a le son des fois qui est pas bon, du coup, je coupe tout ça. Mais après, je me suis fait tout un système de macro avec Audacity. Alors, je sais pas si tu connais Audacity, c'est pour faire du traitement audio. Et du coup, regarde, là, je vais faire un truc, je vais te montrer. Je vais aller appliquer ici une macro que j'ai prévue, en fait. Hop. Et du coup, lui, automatiquement, il va me faire tout un tas de trucs, l'équalisation, la compression, enfin tout le bordel. Ce qui fait que 15 minutes plus tard, tu vois, enfin peut-être pas 15 minutes, 5 minutes plus tard, mon podcast, il est prêt et j'ai plus qu'à le publier. Et j'aurais même pu faire, tu verras, j'ai des scripts pour publier automatiquement. Mais voilà, c'est ça un développeur. Un bon développeur, c'est un développeur feignant. Première leçon de la journée. Viens là, j'ai ouvert la fenêtre. Viens de ce côté. Je sais que tu comprends pas ce que je dis, mais. Bien. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Mais oui, mais t'es fou là. Il va me foncer dedans ce con. Yeah, vers l'autre côté. Yeah, yeah, non, à droite, à droite, à droite. Fonce à droite. Il est où? À droite. Va à droite. Non, là, mec. Attends, je vais aller tomber de l'autre côté. Non, 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 non. Putain, le con. Ah. Yes. Yes. Il est dit. Ciao mate. Have a safe trip. Après, je pense qu'un développeur, ça doit être quelqu'un de créatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un
qui a l'envie de créer des trucs. Quand j'étais petit, moi, j'avais vraiment envie de créer des sites. C'était ma passion, tu vois. C'est-à-dire que je voyais des sites, je me disais, mais comment ils font? Et du coup, j'allais dans le code source et je regardais et je comprenais absolument rien. Mais ça me faisait kiffer et je me disais, faut que je fasse ça. Du coup, j'imaginais des trucs, tu vois. T'imagines, je sais pas, des trucs avec des couleurs. T'imagines, voilà, bref, tu fais des trucs et tu kiffes. Aujourd'hui, ça serait peut-être, tu vois, je sais pas, je kifferais et je pense qu'un jour je passerai plus de temps là-dessus. En ce moment, j'ai pas le temps avec tout ce que je fais, mais je kifferais, tu vois, me poser sur le développement d'applications mobiles. C'est un truc qui m'intéresse. Après, j'ai pas le temps, tu sais, quand tu deviens entrepreneur, des fois tu dois un peu cibler les trucs et tout. Mais tu vois, c'est ça en fait, c'est l'envie d'aller creuser un truc, de créer quelque chose et puis d'apprendre. Le troisième conseil que je peux donner si tu voudrais devenir développeur, c'est avoir des projets concrets. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Par exemple, je sais pas si tu fais du sport, admettons que tu fasses du badminton, tu vois, je te dis n'importe quoi. Toi, t'as peut-être l'envie de créer un site pour ton club de badminton, et ben crée-le, tu vois, fais-le avec plaisir, kiffe, tu vois, mets des images de badminton, fais un site responsive, mets des vidéos intégrées, je sais pas, fais de l'HTML5, rajoute des trucs en JavaScript avec de l'Angular, enfin tu vois, fais kiffe quoi, kiffe. Vaut mieux apprendre, tu vois, à travers des projets, plutôt qu'apprendre via des tutos, tu vois. Alors c'est bien aussi les tutos, ça te permet d'un peu de comprendre. Mais quand t'as un projet derrière, c'est beaucoup plus passionnant et ça te permet d'aller plus loin. Après, il y a un truc aussi, tu te demandes peut-être par quel langage commencer pour apprendre à coder. Et moi, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ce qui est intéressant, en fait, c'est suivre ce qui te fait vraiment envie. Si toi, aujourd'hui, tu as un intérêt pour JavaScript, parce que je sais pas, c'est un truc qui te fait kiffer, il y a le mec qui tape derrière moi, je sais pas si t'entends, enfin bref, voilà. Va sur JavaScript. Après, si tu as dans l'ambition de vendre tes compétences en tant que développeur, ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qu'il y a besoin sur le marché. Donc, tu tapes un truc sur Google du genre les 10 types de développeurs recherchés en 2019, tu vois, tu vas trouver des trucs là-dessus. Et puis, tu vas peut-être voir des technologies qui sont intéressantes. Et dans ce cas-là, tu peux aller choisir la technologie qui correspond un peu à ce que tu veux faire et surtout si tu veux gagner de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire ça par passion, tu vois. Ça se trouve, tu vas devenir passionné par un langage. Moi, j'ai des tas d'amis, tu vois, qui sont devenus passionnés par un langage, qu'on en fait toute une vie. Je connais quelqu'un qui était dans ma classe, il était passionné par le .NET et il est devenu un monstre en .NET. Et aujourd'hui, je crois qu'il a écrit une société qu'il a revendue. Aujourd'hui, il vit très bien, il voyage et tout. Mais tu vois, il était passionné par un seul truc qu'il a focus dessus et il aimait ça, tu vois, il adorait ça. Ça se voyait quoi et c'est cool, c'est comme ça en fait qu'il faut voir le truc. Après, tu le sais sans doute déjà, mais il existe des sites qui te permettent d'apprendre à coder et tout ça gratuitement et j'aimerais t'en donner quelques-uns, tu vois, des sites qui m'ont inspiré dans ma jeunesse. Je me souviens bien du site du zéro qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom. C'était vraiment une bible, tu pouvais apprendre plein de trucs et voilà, et aujourd'hui tu peux toujours apprendre plein de trucs. Alors maintenant il y a une version gratuite, une version payante, mais quand bien même tu peux trouver plein de trucs gratuits. Je me souviens aussi d'un gars que je suivais, enfin c'est pas son nom, mais c'est le nom de sa chaîne, un site web aussi s'appelle Graphic Art, qui était à l'origine pas mal orienté HTML, CSS de mémoire, et puis bah il a fait plein d'autres tutos et ce mec est passionné, enfin j'adore l'écouter, tu vois, c'est vraiment génial, tu vois. Je pense aussi, j'ai deux amis qui ont lancé une chaîne qui s'appelle B-Apps et qui parle de développement Android, donc bah n'hésite pas à aller voir aussi, c'est cool, j'ai fait une interview d'eux d'ailleurs, n'hésite pas à aller les voir. Et je pense aussi à un autre site sur lequel j'avais bossé un petit peu, mais je ne suis pas allé vraiment en profondeur, mais je sais qu'il est très bien, il y a plein de développeurs qui l'apprécient, c'est FreeCodeCamp, qui te permet d'apprendre plein de trucs aussi avec des bons tutos. Donc bah écoute, va jeter un œil, tu vois, il y a plein de trucs gratuits comme ça pour apprendre à coder, donc vas-y, tu vois, je disais, tu fais un mélange entre les tutos et les projets et tu vas apprendre plein de choses. Maintenant, j'aimerais te parler d'un truc super important, du coup on va changer d'axe encore une fois. Allez, c'est parti. Pour finir, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est très bien de savoir coder et c'est génial si t'es passionné. Je t'invite vraiment à passer tes heures, tes nuits, tu vois, moi j'ai passé des nuits devant mon ordinateur à coder des trucs et ça c'est top, mais il y a un point sur lequel je pourrais te donner un conseil et c'est un truc que j'ai pas fait dès le départ. Pense aussi à essayer de vendre ce que tu apprends. C'est-à-dire que je discutais lundi avec un entrepreneur, tu peux aller voir la vidéo de lundi, il a commencé à faire des sites à 14 ans. Et il a commencé à vendre ses sites à 14 ans. Donc moi, ce que je te conseille de faire, une fois que tu sais coder, en fait, tu as deux solutions. Soit tu te fais embaucher dans une entreprise en tant que salarié, soit tu crées ton activité en tant que freelance. Alors bien entendu, moi, je vais te parler plus de freelance parce qu'aujourd'hui, je suis freelance. Mais après, j'ai fait la première version qui a été de me faire embaucher en tant que salarié. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, en 2019, tu vois, c'est peut-être un peu une erreur. Enfin, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Je vais pas te pousser à faire un truc. Mais par exemple, si je reprends l'exemple du site de l'association de badminton, plutôt que de le faire gratuitement pour quelqu'un, bah, essaye d'aller lui vendre. Tu vas essayer de vendre ça à la sauce. La sauce, c'est un peu d'argent. Tu as sûrement des cotisations, par exemple. Je te prends cet exemple, mais tu vois, il y a plein d'autres exemples. Et tu as sûrement des exemples en tête quand je te parle de ça.
Mais essaye de vendre le truc un minimum, tu vois, pour que bah, tu puisses commencer à avoir, à apprendre ce mécanisme en fait de vendre ton service, de vendre ton savoir, toi. C'est super important. Et je pense que plus on le fait jeune, mieux c'est ensuite dans ton évolution, dans ta vie, et puis surtout si tu deviens entrepreneur et freelance. Voilà. Bah, écoute, j'ai fait un peu le tour des conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Alors, je t'en donnerai peut-être d'autres dans la fin de journée. Tu vois, on fait un vlog aujourd'hui. En fait, on fait cette semaine, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, on fait une semaine de vlog qu'on va appeler en fait dans la peau d'un freelance. Et je fais ça en collaboration avec un autre freelance qui fait des vidéos. C'est mon pote Egon. Donc, bah, hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver et puis, bah, à consulter toutes les vidéos de la semaine et puis toutes les autres. Moi, en général, je parle de freelancing. Je parle de comment trouver des clients. Je partage un peu mon expérience. Je vis aussi au Brésil, du coup je partage un peu mon expérience du voyage, donc n'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Et puis bah sur ce, bah, on continue l'aventure. Cet après-midi j'ai encore des trucs à faire, j'ai un devis à faire, et puis j'ai un peu de montage encore à faire sur des vidéos, et puis j'ai tout un tas de trucs à faire. Ah oui, je te montrerai le script que j'ai pour uploader les vidéos. Voilà. Bon bah sur ce, on y va, c'est parti. Bah, par exemple sur toute la partie conception de site au départ, est-ce que vous avez toute une partie création des objectifs du site, persona marketing, c'est-à-dire quelle est la cible de la personne. Je suis brésilienne. J'ai 34 ans. Ouais, très bien, bébé. J'ai un homme qui s'appelle Raphaël. J'ai un frère. J'ai un gémeau. J'ai un gémeau qui s'appelle Raphaël. Alors pour finir cette journée 3 de la semaine dans la peau d'un freelance, j'aimerais juste te présenter un truc, parce qu'on parlait de coder aujourd'hui. J'aimerais juste te monter un truc. En fait, j'ai un système pour un petit script que j'ai fait en Bash qui me permet normalement de compresser toutes mes vidéos et puis de les envoyer sur les différentes plateformes, dont YouTube, de créer des fichiers audio et tout. Et puis pour cette semaine, vu que je fais beaucoup de shots et que derrière je dois les envoyer à mon pote Egon qui s'occupe du montage, on a décidé de les compresser parce que ça prenait vraiment, vraiment beaucoup de place. Du coup, je te montre comment ça fonctionne. Alors, en gros, tu vois, juste pour te montrer ce qu'on peut faire quand on s'amuse avec le code. Là, c'est le fichier que j'ai modifié pour lui envoyer les trucs à Egon. Mais en gros, voilà, j'avais fait ça, j'ai récupéré des bouts de code sur Internet, notamment à un ami, et puis je l'ai modifié un petit peu à ma sauce. Et du coup, ce truc-là, tu vois, ce bout de code, il va me récupérer en fait tous les fichiers vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Il les parcourt, il les compresse, et puis sur la fin, j'ai pas activé encore, mais j'ai rajouté un petit truc pour que ça envoie directement sur Dropbox. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je lance les fichiers et ça donne ça. Il va me lancer un petit terminal. Et lui, voilà, derrière, tu vois, il va commencer à compresser. Donc là, il va compresser toutes les vidéos. Ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, ça va être cool. Puis après, il va faire le boulot pour moi, tranquille. Moi, j'ai plus qu'à aller me coucher. Voilà, du coup, j'ai très peu de batterie pour finir cette vidéo. Du coup, j'espère que tu as kiffé ces petits conseils pour apprendre à coder. Alors moi, je fais pas que du code. Tu as vu, du coup, je fais un peu de web marketing, etc. Et j'ai une formation gratuite pour devenir freelance webmaster. Je te mets le lien juste en dessous si ça t'intéresse. Je donne les bases, en fait, pour devenir webmaster. Après, il y a plein de choses que tu pourras avoir. Mais voilà, ça te donne un petit aperçu en 7 jours de ce que c'est mon boulot. Et je regarde mes notes, désolé pour te dire ce que j'avais à te dire. Ouais, et du coup, c'est tout en fait. J'espère que tu as kiffé. Je te donne rendez-vous demain pour l'épisode 4 dans la peau d'un freelance. Et demain, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas encore. On verra demain. Abonne-toi et on voit demain. Voilà. Allez, merci à toi et ciao.